C'est parti pour 6 minutes. Vous avez vu de très très belles choses. Je suis sûr que lui va nous en réserver aussi d'aussi belles et peut-être mieux. Son numéro 1 de KFC, c'est parti. Ouais, je sais. Et c'est tout ce que cela vous fait. Un petit peu plus de bruit pour danser, tenez-vous si vous en voulez encore. Allez, on y va, regardez la sortie. Elle est juste pour vous faire plaisir. Monsieur Tony Mou dans ses œuvres. Et c'est sorti. Et... Même pas 12 points et 5. Total 17 dans le cercle jaune sur 20. Qu'on peut obtenir déjà, c'est excellent. Le suiveur ne bouge pas en sécurité. Le passage. Et là, je vous invite à faire le silence pour écouter le bruit, le peu de bruit. Alors regardez bien le passage de Tony, il a regardé loin, je croyais qu'il allait nous faire quelque chose de lointain. Tony Mou regarde l'arrêt loin devant lui, je vous l'annonce, peut-être départ de là, direct le but. Non, c'était un petit peu loin. Et regardez peut-être la vitesse à laquelle il va enchaîner cette zone-là. Je vous laisse avec lui. On regarde. C'est trop facile. Va-t-il tenter à la façon de Benoît Vicat? Vous avez fait du bruit pour Benoît, pour Monsieur Bolivou. Plus fort. Est-ce qu'il va reprendre la moto, Tony? Est-ce qu'il peut repartir ou pas? On va venir très très fort. On peut l'applaudir maintenant sur le jour, Tony. Tony qui se souligne, mais c'est vrai que là, il a pris un peu le risque de vouloir faire quelque chose de fort. Il s'est un petit peu maximum pour encourager le champion du monde en titre, s'il vous plaît. Non, 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 Tony dit qu'il n'y va pas parce qu'il a trop trop mal apparemment au dos. Tony qui préfère descendre et qui arrête. Allez, on l'applaudit très très fort s'il vous plaît.